Et bonjour à tous, ici Bradley, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur Valheim, une petite vidéo un petit peu spéciale puisque déjà dans celle-ci on va jouer avec la vue en première personne. Mais ce n'est pas tout, j'aurai également besoin de vous dans les commentaires parce que je fais aussi cette vidéo pour vous remercier de tout le soutien que vous apportez à la chaîne, ça fait énormément plaisir. Mais déjà pour commencer, la première personne. Donc, le jeu ne prend pas en charge la vue à la première personne. Il s'agit d'un mode que j'ai installé. Et j'ai un petit peu déjà testé la vue à la première personne sur Twitch, en live. J'ai aussi joué quelques heures de mon côté. Et franchement, niveau immersion, ça rend plutôt bien. Je ne suis pas encore tombé sur des bugs ou des problèmes. Ça marche plutôt bien pour moi. J'ai été surpris de voir que ça fonctionnait vraiment très bien. Et petite chose que j'apprécie avec la vue première personne, c'est que l'on peut par exemple viser où est-ce qu'on veut taper. Par exemple, voilà, avec la vue normale, je ne peux taper que en face de moi, c'est tout. Je ne peux pas choisir si je veux taper en haut ou en bas. Alors qu'avec la vue à la première personne, je peux viser par exemple vers le haut ou taper vers le bas. Voilà. Ce qui est plutôt pratique lorsque les ennemis se trouvent un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. Genre voilà, s'il y a un gobelin qui se trouve sur le rocher, en temps normal, je pourrais pas le taper. Ouïouïouï. C'était pas prévu. Voilà, en temps normal, je pourrais pas le taper si le gobelin se trouvait un peu plus haut, alors qu'avec la vue à la première personne, je pourrais, voilà, viser un petit peu plus haut. Donc, je me suis dit, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires ailleurs sur le Discord, sur des forums, que les gens voudraient bien avoir une vue à la première personne. Et bien donc, voilà, il y a un mode qui permet de faire ça. Je me suis dit que ça en intéresserait certains de voir quelqu'un jouer à la première personne. Alors par contre, le jeu, il est 10 fois plus difficile, au moins. La vue à la première personne est un petit peu horrible quand on joue. Par contre, regarder quelqu'un y jouer, je me suis dit que ça pourrait vraiment être sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la vue à la première personne. Et donc, oui, je vous remercie. Vous êtes incroyable. Vous êtes des ouf. Parce que la chaîne a dépassé les 1000 abonnés. C'est incroyable. Je sais pas comment vous remercier. Parce que si vous ne le saviez pas, avant que je fasse des vidéos sur Valheim, la chaîne ne comptait même pas une centaine d'abonnés. Et à l'heure où je vous parle, là maintenant, on a dépassé sur la chaîne les 1200 abonnés. En l'espace de 3 semaines. Juste avec Valheim. Donc franchement, je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous apportez. Tous vos gentils commentaires sous les vidéos, vos pouces bleus, vos partages, ça fait extrêmement plaisir. Ça me met un petit coup de pression aussi. Hein. Passer d'une centaine d'abonnés à où il n'y a personne qui vous regarde à plus de 1200, c'est assez incroyable. Et je vais mourir. Et donc, pour vous remercier de tout votre soutien, et puis parce que 1000 abonnés, ça se fête. Un petit peu. J'avais dans l'idée de vous faire une petite série de vidéos dans laquelle je ferai tous les boss du jeu, les 5 boss, avec la vue en première personne. Voilà, si ça vous intéresse. Oh, c'est horrible, j'ai l'impression que les gobelins ils font ma taille. Donc voilà, si jamais vous avez envie de me voir taper les 5 boss du jeu avec la vue en première personne, eh bien dites-le dans les commentaires et donc je vous ferai cette
cette petite série de vidéos pour vous remercier de tout ce soutien incroyable que vous apportez à la chaîne. Ça fait vraiment très plaisir. Mais voilà, en tout cas, vraiment un énorme merci à vous tous. Et je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Je vais essayer de terminer ce camp de gobelins. Ah non, pas le chaman. Non. Allez, ils essayent de me contourner. Je ne vois rien. Oh, il a un bouclier. Oh, ils ont mis un bouclier sur le berserker. Oh non. Oh non. Il y a un peu trop de monde. Il y a un peu trop de monde. On s'enfuit. C'est le moment de s'enfuir. Petite potion d'endurance. Pour remonter l'endurance. On va se cacher derrière le rocher. Boire une potion. Pourquoi je chante? Parce que je vais bientôt mourir. Allez. Ah non, pas lui. Aïe. Temps de chargement. On esquive. Je sais pas ce que j'ai esquivé. Oui. Oui. Non. La vue à la première personne, c'est trop horrible. Au secours. Ne jouez pas à la première personne, c'était une très mauvaise idée. Ouh. Saleté de moustique. On l'a eu. Bon, on va essayer de se la jouer en mode un peu furtif. Essayer de one-shot le gobelin. Mais non, mais... Saleté. Et en plus, les gobelins, ils m'ont repéré. C'est pas vrai. Et le chaman, il est protégé par son bouclier nul. Je le vois même pas. Je sais pas le toucher.
C'est trop horrible la vue à la première personne. Mais... Voilà, merci. Quand même, quoi. Non, mais te cache pas derrière l'échelle. Oulala, on esquive. Ouais. Oust, va-t'en, merci. On se remet en mode furtif, c'est bon. Ils ne nous ont pas repérés. Ah, on va vider ce gant de gobelin. Je vais me venger. Mais on les voit pas arriver, hein. Mais d'où vous tirez aussi vite, hein? Merci. Bon, allez. Ah non, c'est toi. En plus, il fait noir, je vois rien. Allez, vous êtes tous les gobelins. Non, 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 pas de bouclier. Pas de bouclier. Il y a un berserker qui arrive. Est-ce qu'il est tout seul? Non, les lanciers, j'aime pas les lanciers. Allez, parade parfaite. Oulalalalalala. Oulala. Mais c'est encore un lancier. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais ils sont deux. Ah, le berserker, il a une étoile en plus. Sérieusement? Sérieusement? C'est bon, il est mort. Berserker, il est tout seul, j'espère. Voilà, parade parfaite. Bim. Mais quoi, j'ai pas paré? Allez, la petite potion. Non, non, il y en a un qui arrive. Allez, bim, bim. On va stun. C'est bon, il est mort. Plus rien, plus personne, c'est bon. Je crois qu'on est bon. Oh là 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 là. Si vous êtes un petit peu masochiste, n'hésitez pas à utiliser la vue à la première personne. C'est horrible. C'est horrible. Mais non, mais saleté de moustique! En tout cas, j'espère que vous vous amusez bien à me voir galérer en première personne. Après, pour le côté immersion, là, on est en plein dedans. Oust! Ah, j'aurais dû attendre que le jour se lève. Mais non, mais c'est pas vrai. Reculez! Saleté de gobelin. C'est bon? On a vidé le camp? Y a plus personne? Je crois qu'on a réussi. Bon, voilà! Objectif terminé. On a vidé le camp à la première personne.
Même si on est mort une fois, dans d'atroces et horribles souffrances. Mais bon. Donc voilà, écoutez. Déjà, encore une fois, je vous remercie vraiment énormément pour tout le soutien que vous apportez. C'est un truc de ouf, vous êtes vraiment incroyable. Et donc, dites dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo de voir la vue à la première personne. Dites-le. Et donc, je vous ferai une petite série où je combats tous les boss avec la vue en première personne. Mais voilà, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère que vous l'auriez appréciée. C'était Bradani et je vous dis à la prochaine. Salut!